Donc, je m'appelle Christine Angliot. Je suis comédienne de formation. Je suis également autrice et metteur en scène. J'ai pris des cours de théâtre à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré Corinne Puget et Juliette Arnaud, avec qui j'ai co-écrit Arrête de pleurer Pénélope, qui a beaucoup bien marché au début des années 2000. Donc c'est là que j'ai appris réellement mon métier, je pense, de comédienne. C'est en jouant cette pièce, parce qu'on l'a jouée partout en France, dans des petits cafés théâtres, dans des très grosses scènes, on a fait des zéniths, on l'a beaucoup tournée. Après j'ai travaillé aussi pas mal avec les gens du Café de la Gare. Donc voilà pour mon parcours, voilà. Puis après, depuis, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille à Paris. Alors il y a deux choses, il y a ce que j'aime faire, moi, qui est la comédie, clairement. Parce que je trouve ça hyper jubilatoire, quoi. Enfin, quand ça prend, quand c'est drôle, et pour les spectateurs et pour les comédiens. Après, moi, j'aime bien les comédies grinçantes, hein. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on ait beaucoup rigolé. Et qu'après, une fois qu'on est en train de rentrer du spectacle, ou quand on est en train de boire un verre, on se dit « Ah, mais quand même, j'aime la comédie intelligente et la comédie un peu grinçante. » Ça peut être mon côté un peu anglais, peut-être. D'abord, vraiment sur de l'impro, pour voir ce qui vient spontanément aux gens, voilà, vers quoi ils vont spontanément, facilement. Et du coup, après, moi, ça me permet de travailler avec ça. Et puis pour eux aussi, de se rencontrer, moi, de comprendre ce qu'ils ont envie de faire, moi, de voir ce que j'ai envie de faire avec eux. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je pense pas mal d'impro et du travail aussi de base, enfin de théâtre, vraiment de l'appréhension du plateau, du travail vocal, l'articulation, je sais pas, plus tard, je pense la compréhension de texte aussi. Et après, sinon, dans la mise en scène, je laisse beaucoup travailler les gens. Et je sais toujours très bien où je vais, mais j'aime laisser les gens, pas les brusquer. C'est-à-dire, je me dis, ok, bah, si toi, ça te met, si tu préfères passer par ce chemin là-haut pour arriver là où j'ai envie de t'emmener, vas-y, fais ta balade. Mais viens. On va bien travailler. Je pense que je vais leur apprendre des choses. Je pense qu'ils vont m'apprendre des choses. Donc si vous avez envie de vraiment partager, je ne suis pas donneuse de leçons. Voilà, donc moi, j'aime faire ça parce que j'aime découvrir des gens, des caractères, des propositions. Et donc, on va vraiment être dans l'échange et non pas dans quelque chose de très scolaire et de très, voilà, je suis un prof, vous êtes des apprenants et je n'ai rien à apprendre de vous parce que je sais déjà tout. Je suis persuadée qu'on repartira de bonne humeur. Voilà, c'est ça ma promesse.